monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de The Division surpassé, toujours tout seul, comme vous devez vous en douter. Et donc nous allons tout de suite continuer avec la zone Stuyvesant, je crois. Stuyvesant, ouais. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. J'ai un peu modifié mon équipement. Bon, je fais un peu moins de dégâts, mais... c'est pas grand chose. Et vous voyez, j'ai récupéré mes 12 places qui me manquaient. En lançant le jeu, ça a marché, du coup voilà. Allez, protégeons l'agent de la JTF. Donc ça va être une assez longue vidéo, il y a 11 missions annexes plus une mission principale. Technologique bien sûr, mission principale. Je sais pas pourquoi je dis bien sûr. Allez. Donc là j'ai moins de dégâts qu'avant, mais j'ai beaucoup plus de vie, je suis bientôt à 20 000 de vie. Voilà. Donc sinon j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que moi oui. Voilà qui est fait. Passons à la suite. Donc celle-là va durer un petit peu plus longtemps, je pense, vu le nombre de quêtes annexes qu'il y a. Celle-là, c'est une quête. Quête de ouf. Non, ouf. Ouais, non, on va pas la faire maintenant. Ça, c'est une zone niveau. Niveau 20-23, du coup, on la fera plus tard. On va faire dans la prochaine vidéo si je ne m'abuse. En tout cas là il y a des ennemis. Voilà. Ah, qui tourne toujours aussi fort mon PC, c'est magnifique. Je m'en vais, vous en faites pas. Quel bordel. Ouais non, ça par contre je le ferai plus tard. Hein. Par là-bas. Attention, présence hostile détectée. Couvrez-vous les yeux, les gars. Ah, mes yeux.
Putain, ils sont coincés là dans ce petit conteneur. Ces abrutis ont dû laisser la clé pas loin là. Civils en sécurité. Les pauvres, ils étaient tous serrés. J'espère que vous avez les reins solides. Un habitant du quartier m'a passé les coordonnées d'une caisse de ravitaillement. Je sais pas si c'était trop lourd pour lui ou s'il a eu peur d'être pris pour cible, mais ça devrait pas être un problème pour vous, hein. Non, pas trop. Attention, élément hostile en approche. Ah, j'aurais dû prendre des munitions. J'en fais rien. Montre-toi s'il te plaît. Attention, voilà. Élément hostile en approche. Ouais, munitions ça risque d'être dur. Attention, ravitaillement sous feu ennemi. Là c'était bien chaud. Élément hostile en approche. Il faut pas que j'oublie ma compétence de dégâts, c'est vrai. Analyse d'écho actif détecté. Sans rien perdre ni rien garder pour vous. Ce qui est pas plus mal parce qu'on avait vraiment besoin de tout ça. Ouais, c'est ça. Salut. C'est ça, salut. Ah, le truc. Allez. On va le faire. Écoutez-moi bien. J'ai escorté un groupe de civils hors de la Dark Zone, mais on a été suivis. On s'est retranché dans une planque de la JTF, mais les Rikers lâchent pas le morceau. Si vous les sortez pas de là, ils vont tous mourir. L'image clé, Vanguard. Mais la zone est trop dangereuse pour extraction. Maintenez votre position et attendez la suite des instructions. Angel 6 terminé. Alors c'est tout ? On attend de mourir ? C'est ça, vous attendez de mourir. C'est bien comme programme, hein ? Donc pour tout ce qui est de ces choses là, je les chercherai hors vidéo avec maintenant j'ai débloqué un bâtiment de l'aile technologique qui permet de savoir où ils sont tous. Du coup je les ai tous sur ma map mais je les prendrai plus tard. Vu qu'il y en a beaucoup trop. Bon il y en a 200 encore ou un truc comme ça un petit peu moins je pense. Par contre ceux que je crois je les prends. Ah bah d'accord. Elle a fait un faceplant. Désolé, je me remets bien sur ma chaise. Voilà. Et c'est hyper pour continuer. Encore 7 niveaux. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ce que je voulais faire déjà. Donc ça, on déséquipe tout. Puis on équipe ça. Qui est un fusil sniper. Et oui, oui, oui. Et ouais, 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 ouais.
On va le laisser x12 quand même. Bon petit dégât quand même. Est-ce que je serai en train de faire tout le tour pour rien? J'en ai bien l'impression. Je crois qu'il faut juste que je monte là. Allez, on va essayer d'au moins passer niveau... Bah, ça devrait pas être difficile de passer 24 d'ici la fin de cette vidéo. Hein. Comme les missions, ça rapporte à peu près une demi-barre d'XP. Ah, moi je suis dans leur dos, haha. Complètement recharger mon arme, j'ai pas compris. Attention, force hostile en approche. Zone sécurisée, ennemi neutralisé. Et voilà. Encore un décalage. Allez, voilà. Le décalage souris, parfois, ça c'est assez chiant. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Si c'est que sur mon PC ou si c'est sur tous les PC. Mais... C'est bien chiant. T'as pas les petites. Enfin, les petits. Les petites, qu'est-ce que je raconte? Les personnes innocentes. Montre ta tête s'il te plaît. Allez. Ah, oh, d'accord. Apporte un petit peu d'XP quand même, hein, tuer les ennemis. Attention, place forte ennemie potentielle identifiée. Allez, défendez-les! Diesel, tu vas arrêter. Enfin, le Vin Diesel, la voix de Vin Diesel français, je sais pas qui la double, mais. En tout cas, il est double dans ce jeu, et ça, c'est sûr à 300%. Alors, lui, il s'est fait. Défoncer la rondelle. On commence à faire des dégâts. On commence à faire des dégâts, ça fait du bien.
haut, mais c'est pas grave. Non, oui, il y a quelque chose obligé. Ouais, là c'est dans cette maison. Ça fera de ça moins à récupérer. Comme toujours. Sur 24, ouais. En fait, ça rapporte que des bonus de fin. Enfin, pas de fin, je veux dire, mais des vêtements ou des trucs comme ça. C'est pas si intéressant que ça. Mais bon, comme moi, je fais le 100%. Faut bien le faire un jour. Hein. Avant de faire le deal, on va ramasser les pièces d'armes. Je pensais pas qu'on allait avoir autant besoin dans le jeu, mais si on veut du bon stuff, on n'a pas le choix. Hein. Ok. Oula, petit bug. C'est aussi rapide, moi je dis pas non. 2, 4, 6. Sur une ligne fixe. Une ligne fixe. Pas dingue, ça. Qui aurait dit que dans tout ce bordel, c'est le seul truc qui allait continuer à marcher. Bref, c'était une mauvaise nouvelle. On a un civil enfermé dans une pièce dont il peut pas sortir. Et il va crever de faim si vous allez pas le sortir de là. J'y serais bien allé, moi, mais ils m'interdisent de bouger d'ici, les enfoirés. Du coup, faut que ce soit vous. Enfin, si vous pouvez. Bien sûr, je peux. Je peux tout faire. Mais c'est une simple possible avec la carte qui, oui. Allez, on prend pas de risque. Les Rikers nous attaquent. Ça, c'est pas mal. Ah, y a un col téléphonique derrière ou au-dessus. Dan, tu réponds plus à mes messages. Pourquoi tu réponds plus à mes messages, putain? J'ai de bonnes nouvelles. Plein de trucs à te raconter. Je vais mieux. Je suis dans une bande maintenant, avec des mecs cool. L'union fait la force, putain. On prend ce qu'on veut, à qui on veut, quand on veut.
Et on a à bouffer tous les jours, ma gueule. C'est la loi de la jungle, maintenant. Mais nous, on va survivre. Je sais que t'entendras jamais ce message. Il va sans doute finir sur un putain de serveur de la NSA quelque part au Nevada, comme les putains de déchets nucléaires qu'ils enterrent dans le désert. Avec les cafards qui sont immortels. Nous, on sera bientôt morts, tous. C'est ces putains de cafards qui seront les boss sur Terre. Eh ben, bon débarras, putain. Voilà. Ok. Partons du principe que les gars de la JTF sont tous morts. Il y a peu de chances que ce soit pas le cas. Alors occupons-nous des vivants. Vous allez devoir faire sortir les Rikers de l'immeuble et protéger les générateurs. Traitez-les avec délicatesse. C'est des vieux machins sensibles et en ce moment ils subissent pas mal de pression. Civil en sécurité. Qu'est-ce qui sera-t-il plus tard? Si vous continuez à sauver les gens comme ça, ils vont finir par vous filer mon job. Enfin, faudra me passer sur le corps avant. Je vais te prendre au mot, le mec. Enfin... Façon de parler. Alors, regarde un peu tout ce qu'il y a d'intéressant. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, non, rien. Je sais pas ce qu'ils font ici, mais il y en a dans tous les coins. La situation est en train de... D'accord. Je trouve que j'ai beaucoup d'avance par rapport à là où je suis. Vraiment. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup d'avance. Enfin, beaucoup. Deux niveaux, trois niveaux, quoi. Emplacement marqué à proximité. On approche de notre position. Attention, force. Désolé. Désolé pour le micro, je l'ai coupé vite fait. Donc on s'occupe de, des ravitaillements. Montre ta tête, s'il te plaît. Oh, du bleu. Que si je t'aurais. T'as vu? Attention, force hostile en approche. Je suis content de me battre à vos côtés. Confirmé. Pharo 5 est sur place et prêt à attaquer. Allez. Beaucoup de dégâts quand même. Zone sécurisée.
me battre à vos côtés. Ça, c'était bien tiré. Bravo. Oh, je suis bête. On les connaît, ces gros bâtards. Sans leurs uniformes, c'est tous les mêmes. Les flics, les juges, les gardiens, les salopes d'assistantes sociales. Les putains d'agents du gouvernement avec leurs putains de montres et leurs super flingues qui se baladent dans la ville comme si c'était chez eux. Ils voulaient nous laisser crever de faim dans cette prison. Ils en ont rien à foutre de nous. C'était déjà comme ça avant. Ça risque pas de changer maintenant. Pour eux, on n'est que des déchets. On mérite d'aller à la poubelle. Sauf que la poubelle, c'est eux. Ces putains de parasites de JTF, avec leurs beaux uniformes. En dessous, c'est la même merde. À l'intérieur, ils se ressemblent tous. Vous voulez que je vous montre ? Voilà, c'est comme ça qu'ils sont à l'intérieur. C'est pas joli, hein ? Alors on les fait souffrir, on les fait chialer, on leur fait ce qu'on veut. Et surtout, on les crève tous, jusqu'au dernier. Petite ellipse, je reviens. Ouais, voici, désolé pour cette petite ellipse. J'ai dû faire quelque chose d'assez important. Mais vous ne saurez pas c'est quoi. Je sais pas ce qu'il faut. On dirait qu'on a une antenne qui déconne ou je sais pas quoi, mais la liaison avec le QG est perturbée. Moi, on me laisse pas sortir d'ici, mais vous, peut-être qu'ils vous font assez confiance pour vous laisser y aller. En tout cas, il faut régler le problème. Oui, et le problème va être réglé, c'est moi qui vous le dis. Non, pas par là. Allez, on fait de l'escalade. Ouais, franchement, les missions de ce jeu sont pas très dures, hein, pour le moment. Le jeu, d'ailleurs, n'est pas très dur non plus. Ça arrive de mourir quelques fois, mais c'est tout. Enfin, après, je dis ça, mais niveau 30, tu auras le mode expert, donc peut-être que ce sera plus dur. Niveau des donjons, hein. Là, c'est vrai, je l'ai fait en mode normal, les donjons, mais bon. Parce que ça rapporte pas vraiment de bonus supplémentaires. Ce sera juste en expert ou ce sera bien, parce que on droppera du jaune à 100%. Voilà. Je le libère comme ça, si je meurs, je pourrais revenir quand même. D'accord, pourquoi pas. Bravo, bravo, encore une victoire. Continuez comme ça, et ils finiront par donner votre nom à une rue de New York. Ou à un parking. On a un autre. Ou à je sais pas quoi. Un tir parfait. Comment ça, je sais pas me battre. Il y croit pas quoi, il ose m'insulter. Tout plein d'habits, ouais. Je dois sûrement déjà les avoir, mais bon. Acquisition de ravitaillement, d'accord. J'utilise jamais l'arme de poing, c'est insane. Je trouve ça tellement inutile. Quoi ? Vous êtes avec les méchants maintenant ?
continuerez de m'aider à chercher ? Merci. Oh non, pas ce genre-là. Bientôt niveau 24, oui, oui. Ceci, un film La Famille, ceci. Allez, prends bien ton temps. Content de vous avoir avec nous. Ouais, moi je suis content de m'avoir, ouais. C'est bien de savoir soi-même. Oups, désolé. Je regardais ma montre pour regarder un peu l'heure. Je suis en train de filmer depuis 4 heures pour le moment. Ça va. On va sûrement retomber sur des agents de la division à tuer plus tard, hein, dans les grandes missions, je veux dire. Je me demande vraiment si c'est le serveur qui lag ou si c'est moi. Hein. Je pense que la grande mission de technologie, je vais la faire en coop. Est-ce que c'est bien plus rapide, je trouve. Tiens, 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 je viens de voir que YouTube vient de supprimer le son de ma vidéo. J'espère qu'il va pas se premier à lancer, sinon ça va être mauvais pour moi. Ravitaillement marqué pour extraction. JTF informé. Vu que vous n'êtes pas d'ici, vous connaissez sans doute pas Iceman. Il a semé la terreur dans le quartier il y a quelques années et il a même tué un couple qui tenait une blanchisserie. Bah, à ce qu'il paraît, il est de retour. Il a déjà descendu 2 flics et il a tagué leur voiture pour que tout le monde soit au courant. Sans doute une coïncidence qu'il est réapparu au même moment que vous, mais bon, on sait jamais. Alors prouvez-moi que j'ai tort et allez le choper. Alors. Ça c'est la planque, ouais. J'espère juste que c'est pas sur le premier épisode parce que sinon ça va mal se passer. Pas pour moi, un peu pour YouTube. Je vais péter un câble. Je pense surtout qu'ils m'ont pas mis un strike. Hein. Parce que bon, réclamation de droit d'auteur par-ci, droit d'auteur par-là, alors qu'il y a que dalle dans leur son, quoi. Je commence un petit peu à me taper sur le système. Reviens ici.
niveau 25 bientôt. Non, 24, oui. Mais il faut pas aller trop vite quand même. Je suis niveau 24. Petit clipping de lumière. Ah vite. Fait mal aux yeux, c'est bon. Allez, vas-y Iceman. Je vais déboîter. Voilà. Oui, donc comme j'ai fini la zone pour les missions annexes, il y a tous les objets bleu ciel annexes à ramasser qui sont apparus sur la map. Et du coup, ça je les ferai hors vidéo comme j'ai dit et surtout à la fin du jeu. Donc là, avant d'aller faire la mission. C'est un fusil à pompe, ça. Non, c'est gentil, vous êtes gentil. Comme ça, en même temps, on va vider notre inventaire, etc. Puis ensuite, on fera la mission. C'est des alliés, d'accord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le nettoyeur. Je me demande si on va encore en revoir. On peut pas passer par là. Le téléphonique par là. Bon, si je vois qu'ils sont prêts, je les prends. Hein. Je les prends quoi. Mais... Le département de contrôle des épidémies a fini par nous annoncer était terrifiant. Cette chose, personne parlait encore de variole. C'était contagieux à deux parties par million. Contact direct, contagion par l'air, l'horreur. Et puis le gouverneur a déclaré l'état d'urgence et ils ont fermé la ville. On a enfin compris dans quel enfer on allait être plongé. La garde nationale a débarqué. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire? C'était pas des médecins. Les relevés indiquent que cette zone est sûre. Vous allez nous manquer. Je pensais pas que... Je dirais ça au début. Que ça t'intéresse? Personne propose autant de trucs. Personne. Mais vous avez vraiment fait du super boulot. Je vais pas bien du tout. Il faut que je voie un médecin. Pas mal, pas mal. Bonne chance. Équiper déjà les items aussi. Celui-là n'est pas mieux, celui-là non plus. Celui-là est moins bien. 434 aussi, waouh. Not bad, not bad du tout. Ceux-là, les OP, hein.
Celui-là, on l'équipe bah, tout de suite. Voilà. Fait un petit peu de DPS, mais c'est pas grave, on gagne la tonne d'armure et ça, c'est très très bien. Non, ça par contre, c'est ça qu'on le garde. À moins que. Ouais, ça doit être ça à cause de ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Le roster, il y en a qu'un d'intéressant à garder, d'accord. Donc ça, ça se vend. Tout se vend. J'ai super mal au dos. Prends soin du matériel et... C'est vrai que c'est pas mal. Ça va falloir que j'achète une plus grande lunette. Ok. Ok, ok, ok. Alors attention, je dis pas que c'est tous des tueurs en série. La plupart sont sûrement là-bas pour de... Allez, validons, allons à cette mission. Faisons le matchmaking, c'est parti. On va se balader un peu dans la ville. Hein. Attention, vous êtes sur le point de quitter la zone de sûreté. Voilà, donc normalement là on a rejoint un groupe. Je sais pas combien de temps durera cette vidéo. Tiens. Oh, il y a eu un gros freeze. Je sais pas si vous l'avez eu. Je verrai bien en montage. Je prends une petite goutte d'eau, ça fait 3-4 heures que j'ai pas vu. Du coup, je commence à avoir les gèvres, les gèvres, les lèvres sèches, voilà. Oh, putain, j'avais oublié le mot. J'étais en train de mongoliser comme un mongol. Oui, oui, nouveau mot, mongoliser comme un mongol. Oui, oui. Vous avez bien entendu. 100 divisé par 6. 18, quelque chose. J'ai essayé de faire le compte pour voir les parts au temps de changement, ça faisait combien, donc c'est tous les 18,6% je crois. On m'entend là? C'est bon? Bon, qu'est-ce que je veux dire? Barret nous a fait sortir Driker, elle nous a décollé des lignes de faire ce qu'on voulait. Mais maintenant les flics, ils veulent nous capturer et nous remettre en tôle. Vous voulez crever en cellule vous? Vous allez les laisser faire ce qu'ils veulent? Parce que moi, même pour rien, ils vont rien prendre du tout. C'est moi qui leur prends tout. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ou quoi? Ah, j'ai oublié de recharger. Je sais qu'il y avait des caisses en arrière, mais c'est pas grave. Un robot unicorn. Bon bah, d'accord. Moi j'avance, hein. Écoutez, ouais. Ces abrutis
ont envie de crever, apparemment. Vous savez manipuler les explosifs, j'espère? Le détecteur de votre matériel Shade devrait vous guider jusqu'à eux. On dirait qu'on a un nouveau chez nous, les gars! Alors sortez les bouteilles! Parce que ça pue la teuf, victoire! La cité dehors! Je crame. Mais on va pas leur donner les clés aussi facilement! Vous êtes d'accord? La ville, elle est à nous, maintenant! Ok, bon bah en tout cas je pense que celle-là elle va être très rapide hein, vu qu'on est arrivé à la moitié je crois. Allez, les autres explosifs. What, par contre. Ah oui, comme c'est le. C'est la partie de quelqu'un d'autre, je crois que ça fait ça. Ouais, c'est ça. Il va falloir juste que je refasse un relogue après. Je suis perdu. Où est-ce que c'est? Voilà, le sniper en haut. Confirmation, explosif désamorcé. Parfait, maintenant éliminez-moi ces enfoirés. Une fois la zone sécurisée, j'envoie une équipe d'ingénieurs pour scanner tout le périmètre. Bon, apparemment les cow-boys ont désactivé toutes les bombes. Mais c'est pas très grave, on passe au plan B. On fait tout sauter! On allume tout! On éclate tout! Jusqu'à ce qu'il y ait une putain de surcharge! Ils vont voir ce qui se passe quand on nous casse les couilles! Ça t'annonce moyen. Ils arrivent à créer une pression suffisante dans le système de survie pour faire sauter la centrale, voire même le quartier tout entier. Sauf que ces vieilles centrales ont des vannes de sécurité manuelles qui datent d'avant que tout a été automatisé. Trouvez-les et ouvrez-les. Ça devrait relâcher une partie de la pression. Mais ne traînez pas. Oui, chef. Il y a des munitions. Il y a des munitions. Le tir en haut. Ah,
Alors. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Les générateurs ne peuvent pas supporter une augmentation de la pression trop longue. Si on n'en évacue pas une partie, la centrale et une bonne partie de Triton vont partir en fumée. Tiens, tiens, tiens. J'ai reçu un message. Oh non, c'est rien. Oui, je regarde mes messages pendant la partie. Aucun respect. Bouge-toi la lampe. Et voilà. En solo, ça doit être plus long. De tout couper, c'est la salle des commandes principales. Alors allez-y et vite. C'est la fin du monde. Allez, la gars, fin du monde. Ah et voilà. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Sloan nettoyé. Réseau électrique local rétabli. I have got power. On a explosé et la sirène s'est arrêtée. On dirait qu'on est tiré d'affaire. Vous pouvez pas faire ça. J'envoie l'ingénieur sur place pour finir le boulot. Vous allez couper l'électricité de toute la ville. Vous pouvez y aller. On le fera que si on en a besoin. Si notre place dans cette ville n'est pas respectée. Et si c'est pas le cas, mes gars feront le nécessaire pour que personne mette place. En attendant, on va vivre. Un agent quitte votre équipe. Ok. Ok, donc avant de se laisser, on va aller parler à Paul Rhodes à la base. Agent, on a tout...
touché le jackpot. Ce que notre ami veut dire, c'est qu'on a intercepté une communication audio d'un de nos chers collègues. Il est évident qu'il cherche à tirer profit de la situation. Il faut absolument qu'on le retrouve. Je comprends pas. Vous trouvez pas que le virus est déjà assez répandu comme ça ? Tout est question de savoir le mettre à profit. Si j'arrive à mettre la main sur le virus de la grippe du dollar, ce poison vert que quelqu'un a créé, ça voudra dire que certaines personnes y réfléchiront à deux fois avant de me chercher des embrouilles. Moi, je pense qu'une arme à feu est plus efficace pour se défendre qu'un virus trafiqué. Arrêtez de voir petit et pensez à toutes les possibilités. Il n'y a plus aucune infrastructure médicale. Ok. Donc là, ça, c'est normal. Je devrais juste faire une déco après. Je ferai ça après la vidéo. Et donc il nous reste 3 zones, non, 4 zones, oui, 4 zones en tout. Du coup encore 4 vidéos et c'est la fin du jeu. Par contre attendez, je vais juste faire un petit peu de bruit. À la 1, à la 2, à la 3, voilà. En attendant que ça charge, il faut bien que je mette ma chaise en place. Chaise qui casse, voilà. Comme ça vous voyez les envers du décor. Enfin, vous entendez plutôt, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien, tout n'est que tromperie. Hein. Ouais, ils ont bien chargé. Désolé pour la coupure micro vite fait. On va aller par la Paul Road et en même temps on va améliorer la base qu'on peut. Donc c'est celle technologique et la médicale si je ne me trompe pas. Enfin, je crois qu'on peut améliorer tout. Donc on va commencer déjà par la aile de sécurité. Qu'est-ce que j'aimerais être sur le terrain ? Eh, hey, évitez de vous faire tuer. Baissez jamais les bras. Faut que tout le monde participe. Oui, ça n'a pas encore chargé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Celle-là. Parfait. On va enfin pouvoir sécuriser le périmètre comme il faut. Merci. Agent. Nos spécialistes en approvisionnement vont pouvoir se concentrer sur la collecte d'équipements et de matériel dans tout Manhattan. Ok. Donc allons dans la médicale juste après. On a bientôt toutes les améliorations hein, déjà. Ça avance vite. Tu prends l'unité Hazmat parce que je sens qu'on en aura besoin d'ici peu. Pour améliorer de 1 le filtre d'air. Hey, il te faut quelque chose de mieux, toi. Merci pour tout ce que vous faites, Marc le nettoyeur. Toi, t'es du genre sérieux, ce soir. Ouais. Là, toi, ça n'a pas changé à toi, toi non plus. Ah, tant pis. Personne ne propose autant de trucs. Personne. Ouais, si je prends ça, j'aurai beaucoup de vie, mais c'est tout, quoi. Oh! Ah non, j'ai rien dit. Pas mal. Je me tâte. Désolé de vous avoir défoncé les oreilles, je pense. Allez, je les prends. Puis, je prends... Non. Tu viens de faire une affaire. Le meilleur des cartes, il y a rien de nouveau. Donc ils sont très très bien en fait ce que je viens d'acheter. Ah, ça je vais peut-être le modifier, je sais pas. Voilà. Bon, je perds beaucoup de DPS mais c'est pas grave. Ah, ça niveau 25 bientôt d'ailleurs. Et donc on va aller là-haut. Vous êtes un modèle pour nous, vous savez. Améliorer la base. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Ah, non, j'ai cru qu'il y avait un bug sonore. Je devrais pouvoir m'en sortir avec ça. Dites, vous êtes plutôt efficace dans votre genre. Oui, je sais, je sais.
Voilà. Donc de nouveaux talents. Un nouveau filtre. Ce centre de recharge va permettre aux gens de recharger leurs appareils électriques. Quand ils vont être au courant, ils vont encore plus vous adorer. Reste pas les bras croisés, agent. Et je suis pas le seul ici. Parlons Paul Rhodes. Vous avez fait un sacré boulot de réparation. Je retrouve presque un peu d'espoir. Eh ben, c'est un miracle. J'ai dit presque, agent Lowe. C'est ce que vous avez vu sur le terrain qui m'empêche de dormir. J'étais pas si parano après tout. J'avais raison même. Vous avez les agents les plus forts, les mieux armés du monde, les plus intelligents, et pourtant sur le lot, il y en a quand même qui pètent les plombs. Même si vous avez du mal à y croire, on les laissera pas gagner. Vous pensez que je suis pas dans votre camp, c'est ça? Vous pensez que je suis un cynique qui se fout de tout? Bah non, je suis un putain de patriote, voilà pourquoi ça me dérange. Vous savez comment ça fonctionne une démocratie? Grâce à l'équilibre. On n'a pas que des droits, on a des devoirs aussi. Les gens se rendent pas compte combien c'est précieux tout ça. Voter, faire partie d'un jury. Mais si on fait pas gaffe, on peut tout perdre en une seconde. On fait de cadeau à personne ici. Ce pays a été conçu de manière à ce qu'il soit impossible de prendre tout le contrôle. L'équilibre des pouvoirs. Et un jour, il y a un fumier qui décide de créer la division. Et ça fout tout en l'air. Ils ont tous les pouvoirs, ils sont redevables à personne. À l'opposé de toutes nos valeurs, c'est normal que ça aille foiré. Et au final, on se retrouve avec quoi, hein? De bonnes intentions. Hey. Et à nous. Nous tous ici. Moi, j'ai plus que de bonnes intentions. Alors on ira jusqu'au bout. Et on fera les choses comme il faut. J'ai envie d'y croire, et vous le savez, agent Lowe. Mais je vois pas en quoi vous seriez différente des autres. J'espère simplement que vous l'êtes. Pour notre survie à tous. Ok. Donc... Ah, une équipe spéciale pour les réparations d'urgence sur le terrain. On en avait bien besoin. À plus tard. Alors... Ah, ils ont pas disparu, flûte. Va falloir que je quitte la zone. Donc, j'espère que cette vidéo... Nous allons nous arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous ferons la zone de... C'est quoi son nom? Gibbs Bay. Non, Gibbs Bay, on va la faire. Non? Non, on l'a pas encore fait, Kids Bay, qu'est-ce que je raconte? On fera la zone de Kids Bay, oui. Donc, toute la zone qui est là. Dans la prochaine encore vidéo, on fera celle-ci, puis celle-ci, et on finira le jeu par celle-ci. Midtown West. Enfin, East. East, Est, c'est ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheZdead pour ChatTubeHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo!